Peuple de Dieu, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre humble serviteur, l'apôtre Richard Collat. Voulons un peu parler d'une personne dans la Bible. Vous qui nous suivez de partout de notre chaîne Pactole, la télévision qui prêche de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je vous invite à ouvrir la Bible. Mais avant de lire, faire la lecture de la parole de Dieu, j'aimerais que vous puissiez incliner votre tête et nous prions pour la parole de Dieu. Prions tous ensemble au nom de Jésus. Notre Dieu, notre Père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, nous t'invitons, Père, d'être avec nous ce moment, dans nos maisons, que tu sois notre Dieu. Nous voulons parler de ta part pour ta seule gloire. Nous renversons toute connaissance, toute hauteur, tout homme, personne, l'homme fort qui s'élève à la connaissance de ta parole soit renversé par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous ramenons toutes tes pensées captives à l'obéissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cher Saint-Esprit, viens encore nous parler. Je suis qu'un simple instrument, que les paroles viennent de toi et que tu utilises ma bouche. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te disons Amen. Que Dieu nous bénisse tous et soyez bénis dans vos maisons, vous qui nous suivez au travers de notre chaîne Pactole TV. Nous allons lire dans la Bible, dans le livre de 1 Chronique chapitre 4, versets 9 à 11. 1 Chronique chapitre 4, versets 9 à 11. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Peuple de Dieu, nous voici dans cette lecture que nous venons de lire. Cet homme, il s'appelle Jabez. Jabez, c'est un monsieur, c'est un jeune. La Bible ne nous a pas déterminé son âge. Mais il était le plus considéré de sa famille. Il était le plus considéré de ses frères. Mais il y avait un problème dans sa vie. Et l'origine de son nom, c'était douleur. Son nom, c'était la souffrance. Son nom, c'était vraiment des choses qui ne marchent pas au travers de son nom. Il faisait ce que toutes les jeunes personnes faisaient. Il y avait l'ami, les amis. Mais il a vu que dans sa vie, il n'avait pas de progrès. Il était condamné. Il était une personne que rien ne marchait dans sa vie. Pourquoi tout cela ne marchait pas? Si nous regardons déjà les origines de son nom, sa mère lui donna le nom de Jabez en disant « parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Peuple de Dieu, c'est là, j'aimerais vous dire que le thème de mon message, de mon exhortation, tout est possible à celui qui croit au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Jabez, il a vu que
dans sa vie, c'était que la souffrance. Dans sa vie, c'était que les douleurs. Il se posa des questions. Je pense et je crois. Il est parti à poser la question à sa maman. Maman, il n'y a rien qui ne marche dans ma vie. Pourquoi tant de souffrances? Tout ce que je fais, ça peut marcher au début, ça peut marcher aujourd'hui, mais le lendemain, après le lendemain, il n'y a rien qui marche. Sa maman lui répondra que « Mon fils, écoute, Jabez, le nom que je t'ai donné, que tu portes, c'est la douleur, c'est les douleurs, pardon, et c'est la souffrance. » Aujourd'hui, peuple de Dieu, pourquoi sa mère, la question qu'on peut se poser, lui a donné le nom de Jabez? Pourquoi il lui a donné le nom de souffrance au lieu de donner le nom de joie? Le nom que vous portez, vous et moi, ça détermine votre avenir, ça détermine ce que vous serez. Si nous lisons dans le livre de Jean, Luc chapitre 1, la Bible nous dit que Élisabeth était enceinte et les jours de la naissance de Jean-Baptiste, ses parentés lui ont donné le nom de Zacharie. Mais Élisabeth a dit non, cet enfant, on ne l'appellera pas, on ne donnera pas le nom de Zacharie. Son nom sera appelé Jean. Et les gens de la famille de son mari disent, mais non, dans vos parentés, il n'y a personne qui s'appelle Jean. Pourquoi vous lui donnez le nom de Jean? Comme Zacharie était, mais où il n'arrivait pas à parler, ils ont fait signe à Zacharie. Il a dit, donnez-moi des tablettes. Et il a écrit, on lui donnera le nom de Jean. L'ange avait dit à Marie, tu seras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Le nom a une signification. Le nom peut donner un sens dans ton avenir. Rien que le nom de Jabez, il était condamné au travers de son nom. Il était lié au travers de son nom. Son nom, il ne pouvait rien faire parce que son nom le condamnait dans la malédiction, dans la souffrance et dans les douleurs. Il a dit non, il y a un Dieu. Il y a un Dieu au ciel, le Dieu de mon père, de mes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Et je dois chercher le Dieu vivant. Mon ami, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, d'une autre. Même pendant les épreuves, même pendant la souffrance, Dieu peut te parler. Toi qui es malade, qui tu me suis, toi qui traverses des moments difficiles, toi qui es désespéré, découragé dans la vie, laisse-moi te dire, pendant que tu es dans le moment très difficile, très sombre, toi qui n'as pas d'enfant, toi qui n'arrives pas à voir le mariage, c'est le temps opportun de chercher Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Ce qui est possible pour vous, ce qui est impossible à la médecine, mais c'est possible à Dieu. Jabez, il chercha le Dieu d'Israël. Je vais parler un peu comment Jabez a prié. La source de nos problèmes, 80% vient de nos origines, de nos parents, vient de nos familles. Si nous lisons dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 16, au verset 1 à 6, la Bible nous dit que, dans le livre d'Ézéchiel, je vais lire pour vous, Ézéchiel, chapitre 16, verset 1er à verset 6. La Bible dit ceci. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ces abominations. Tu diras ainsi parle le Seigneur l'Éternel.
à Jérusalem, par ton origine et à ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Éthienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans les langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une de ces choses. Par compassion pour toi, mais tu as été rejeté dans le champ. Les jours de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi, j'ai passé près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang et je t'ai dit, vis dans ton sang, je t'ai dit, vis dans ton sang. Voilà ce que Dieu dit à Jérémie de dire à Jérusalem. Nos origines, l'origine de Jabet, c'était très compliqué. Ici, Dieu dit, faites connaître à Jérusalem ces abominations. Tu diras ainsi, parle l'Éternel à Jérusalem, par ton origine. Et à ta naissance, tu es du pays de Canaan. Voilà les origines de Jabet. Donc, tellement sa mère souffrait, tellement sa maman l'a donné naissance dans la douleur, mon frère, ma sœur, peuple de Dieu, tes origines, quelles sont tes origines? Quel est le nom que ta mère t'avait donné ou ton père? Il dit que tu es du pays du Canaan. Ton cordon ombilical n'a pas été coupé. Et le premier point de la souffrance de Jabet, c'était les liens du sang. Le sang a des lois. Le sang a des alliances. Le sang a des condamnations. Le sang a des engagements. Au travers du sang de ses parents, Jabet était déjà condamné. Jabet était déjà lié. Jabet était déjà maudit. Ses origines. La source de nos souffrances, la source de nos malheurs, c'est nos origines. Ton père, ta mère. Tu as le sang de ton père, tu as le sang de ta mère. Il dit que par ton origine, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Le nom nous condamne. Le nom de Jabet, il était automatiquement lié dans la douleur, dans la souffrance. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, si tu viens à Dieu, tu pries, tu jeûnes, les choses ne marchent pas, va voir Dieu, demande à Dieu pourquoi tant de souffrances. Dieu te dira les jours de ta naissance, tes origines. Et Jabet, il dit non, tout ne marche pas. Et je prie, je jeûne, mais je dois maintenant chercher l'Éternel. Peuple de Dieu, la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses que tu ne connais pas. C'est pour cela, Jabet, il partit, invoqua le Dieu d'Israël. Et là, on parle de la prière. Quand Jabet a prié, il a commencé à prier à partir de l'alliance. Il a rappelé à Dieu l'alliance qu'il a fait à Jacob. Pourquoi il a rappelé à Dieu le Dieu d'Israël? Parce que le Dieu que nous prions, c'est le Dieu d'alliance. Il a fait alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Pourquoi il n'a pas invoqué le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob? Mais il a invoqué le Dieu d'Israël. Parce que Jacob, qui était son nom aussi était condamné. Il était usurpateur, voleur. Il avait menti à son père. Et quand il a rencontré Dieu, quand il a vu Dieu, la Bible dit que Jacob lita avec Dieu. Et Dieu posa la question à Jacob, quel est ton nom?
Mon frère, ma sœur, quel est ton nom aujourd'hui? Quel est le nom que tes parents t'ont donné? Il dit, mon nom est Jacob. Et l'ange lui dira, tu t'appelleras plus Jacob, mais ton nom sera appelé Israël. Et Jabet, il a invoqué le Dieu d'Israël. La Bible me dit, quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Mais tu dis, mais je prie, je jeûne, je donne les offrandes, je donne les dîmes. Mais pourquoi il n'y a rien qui ne marche pas dans ma vie? Mon ami, retourne à tes origines. Et Jabet, il a vu qu'il avait la malédiction. Il y avait une main sale dans sa vie. Il était limité. Et il y avait la souffrance. Il a énuméré 5 points. Il a cherché et il a vu que ces 5 points qui ne marchent pas. Premièrement, il a dit, si tu me bénis, sa vie était condamnée dans la malédiction. Il vivait dans la malédiction. Il cherchait la bénédiction de Dieu. La Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Il a voulu que Dieu puisse le bénir, afin que sa vie soit changée. Peuple de Dieu, peu importe, je répète encore la situation que tu vis, Dieu est capable de changer ta vie. Dieu est capable de te faire sortir dans la fosse au lion, dans la sorcellerie, dans la malédiction, dans la condamnation, même si tu ne crois pas. Viens en Jésus, prie. Dieu changera ta vie. Jabet dit, si tu me bénis, il cherchait la bénédiction de Dieu. Deutéronome 28 dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction de t'accompagner. Il ordonnera, c'est Dieu. Mais comment il ordonnera la bénédiction? Et comment il te dira que tu es béni? Premièrement, tu dois recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie. Et si tu confesses le Seigneur Jésus dans ta bouche, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité parmi les morts, tu seras sauvé. Et dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient à son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et si tu deviens enfant de Dieu, tu peux prier Dieu. Jabet, il a prié et il a demandé à Dieu, si tu me bénis. Ça, c'était le premier point, si tu me bénis. Le deuxième point dit, que tu étendes mes limites. Pourquoi tu t'étends mes limites? Parce que tout ce qu'il faisait était limité. Même s'il commence les affaires, du jour au lendemain, il va rechuter. Il peut faire 10 pas en avant, il va faire 100 pas en arrière. Tout était limité dans sa vie. C'est là qu'il a dit, non Seigneur, j'ai besoin que les limites soient tombées, que les barrières, les obstacles, les empêchements, la condamnation puisse s'éloigner dans ma vie. Il a prié Dieu d'étendre ses limites. Là où il était limité, qu'il y ait la vie illimitée. Et troisième point dit, si ta main est avec moi, mon ami Esaïe 59 dit, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni ses oreilles n'est pas sourdes pour entendre. Jabet, il avait les inquiétudes. Il dit, il y a une main noire, il y a une couverture démoniaque au-dessus de ma vie, au-dessus de tout ce que je fais. Tout est devenu noir. Je ne vois pas l'issue de secours. Il a demandé la main de Dieu. Esaïe nous dit, ne crains rien. Ne marche pas de regard inquiet. Ne promène pas de regard inquiet. Je suis avec toi. Je viens te fortifier. Je viens te soutenir à ton secours par ma main droite triomphante. La main qu'il a créée. Il a dit non, le Dieu que je prie, le Dieu qui a changé la vie de Jacob
pour devenir Israël. Il est capable d'ôter la main noire, la main qui m'étouffe, la main des sorciers, la main de qui que ce soit. Mais il a demandé l'intervention de la main de Dieu. Peuple de Dieu, peu importe les prisons, peu importe là où tu es lié, la main de Dieu est capable de briser les chaînes, est capable de te délier, est capable de te chercher. Même on t'a mis dans une fosse. La Bible dit, à cause de l'alliance scellée par le sang de Jésus, il délivrera tes captifs dans la fosse où il n'y a point d'eau. Il a prié Dieu que si ta main est sur moi. Et le quatrième point dit, si tu me préserves du malheur. Pourquoi du malheur? Parce que sa vie, il n'y a rien qui marchait. Pourquoi le malheur? Jérémie 29, verset 11 dit, Dieu dit au peuple de Dieu, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Le projet de paix et non de malheur pour vous donner l'avenir et de l'espérance. Si quelqu'un peut dire gloire au Seigneur, si quelqu'un peut dire amen, sois forte mon frère, ma sœur. Toi qui vis dans la maladie, toi que les médecins ils ont déclaré que tu seras mort dans 3 jours, laisse-moi te dire, tu ne mourras jamais. Laisse-moi te dire, tu ne mourras jamais. Toi qui es stérile, que les médecins ont déclaré tu n'as plus d'ovules, tu n'as plus de trompes, tu n'as plus rien d'utérus. Laisse-moi te dire, le Dieu a un projet de paix. Cette année 2017, Dieu a un projet de joie. Aujourd'hui, tu vas voir le sourire. Pourquoi? Si tu pries Dieu, Dieu ôtera le malheur. Il y a un homme dans la Bible, il s'appelle Lazare. Il était malade, comme vous et moi. Mais tu es en bonne santé aujourd'hui. Et le serf de Lazare envoie le message vers Jésus pour dire que Seigneur, Maître, ils ont dit Seigneur et Maître, ton ami que tu aimes beaucoup, que tu aimes à tout temps, est malade. Peuple de Dieu, moi je dis tout le temps, les amis de Jésus ne meurent jamais. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, il est présent. Ne dis jamais que Dieu m'a abandonné. Ne dis jamais que Dieu m'a délaissé. Ce que Dieu est et ce que Dieu ne peut pas faire, il ne peut pas t'abandonner. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Ils ont dit, Jésus, Lazare est malade. Jésus dira au messager, sa maladie ne lui amènera pas la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de l'homme soit glorifié. Mais quelques temps après, malheureusement, la Bible nous dira que Lazare était mort. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Aujourd'hui, qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Le malheur t'atteint, mais ne te décourage pas. Aie toujours foi à Dieu. Crois en Jésus. Que ta foi ne soit pas affaiblie. Même si tu as vécu des circonstances, des problèmes dans les assemblées que nous conduisons aujourd'hui. Ne te décourage pas. Ne reste pas à la maison. Il y a des églises qui prêchent encore la vérité. Il y a des hommes, des femmes de Dieu qui prêchent encore l'amour et la vérité de Dieu. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Quelques temps après, Lazare était mort. 4 jours après, Jésus dira aux disciples, « Allons réveiller notre ami Lazare qui dort. » Peuple de Dieu, ton problème, ce n'est pas encore fini. Ton problème, Jésus n'a pas encore dit les derniers mots. Job dira, « Je sais en qui j'écris. » Mon rédempteur est vivant et s'élèvera le dernier. J'arrive vers la fin et on va prendre quelques minutes pour prier. Et Jésus est venu, il a posé la question à Marie et à Marthe. C'est la question que tu dois poser à ta famille. Quelle est la question que Jésus a posée à Marie et à Marthe? Où vous l'avez mis? Où vous l'avez mis, mon ami Lazare? Il n'a pas posé la question aux amis, mais à la famille.
Pose la famille de ton père la question. Pose la famille de ta mère la question. Pose à tes frères, à tes sœurs la question. Où vous m'avez mis? Pourquoi je souffre? Où vous m'avez mis? Et Marthe, les sœurs de Lazare, dira, Seigneur, viens et vois. Viens et vois. Jésus te dit, et pose ta question comme Jésus a posé. Où vous m'avez mis? Où vous l'avez mis? Où vous m'avez mis? Les sœurs de Lazare dira, Seigneur, viens et vois. Jésus n'a pas besoin que tu lui donnes tant d'explications. Jésus n'a pas besoin qu'il te l'explique tout ce qui se passe. Mais dis-lui seulement ton problème. Il a posé la question à Bartimée dans le livre de Marc. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Mon frère, ma sœur, peuple de Dieu, tout est possible à celui qui croit. C'est encore possible. C'est encore possible. Aujourd'hui, le miracle existe. Aujourd'hui, Jésus guérit. Aujourd'hui, Jésus fait encore des merveilles. Et dans le chemin, ils ont commencé à dire à Jésus, « Seigneur, ça fait déjà 4 jours. Ça fait déjà 4 jours. Et en plus, il sent mauvais. » Jésus dit, « Non, ça, ce n'est pas mon problème. Montrez-moi seulement l'endroit où vous l'avez mis. » Il est arrivé dans les tombes de Lazare et il a glorifié Dieu et les merveilles se sont passées. Lazare était ressuscité. Il dit, si tu me préserves du malheur, mon ami Jésus est capable. Le sang de Jésus efface le sang de Jésus. Dans le livre de Colossiens, la Bible dit et déclare, il a effacé l'acte dont les ordonnances t'est condamné et subsisté contre toi. Et il a dépouillé les dominations, les principautés. L'acte qui condamne ton nom, l'acte qui subsiste dans ton nom, les lois qui condamnent ton nom, les mauvaises alliances, les mauvaises origines, les mauvais fondements, tous les autels qui ont prononcé la malédiction, toutes les personnes qui te condamnent, laisse-moi te dire, Jésus-Christ est venu pour effacer l'acte dans les ordonnances qui te condamnaient à vivre dans les malheurs, dans la souffrance. Même si la loi de ta famille, de tes origines, ils ont déclaré que tu n'auras pas les enfants, laisse-moi te dire, Jésus te dit ce soir, ce matin, que tu auras les enfants. Les lois qui ont déclaré, même la personne est déjà morte, il a déclaré, il a signé. Mais laisse-moi te dire, le sang de Jésus efface les mauvaises signatures. Le sang de Jésus parle plus que le sang de l'Abel. Et la Bible déclare, nous l'avons vaincu, Satan, à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Et pour terminer, il dit, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance. Ésaïe 53, verset 5, Jésus l'a déclaré, et c'est de lui, il s'est chargé de nos souffrances et de nos malheurs. Jésus-Christ a porté tes souffrances à la croix. Il a porté tes douleurs à la croix pour que toi tu vives dans la liberté. Et c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Parce que Jabez a invoqué le Dieu d'Israël. Et la Bible dit, quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Et Dieu a accordé sa prière. Dieu a entendu. Peuple de Dieu, ne te décourage pas. Prie. Et la joie de la prière, c'est de voir l'accomplissement et la réponse. Et la Bible dit, Dieu accorda ce qu'il avait demandé. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Laisse que Dieu puisse vous bénir ce soir, ce matin, et que Dieu vous accorde ce que vous avez demandé. Et c'est toi qui ne sais pas prier, venez, il y a les hommes de Dieu, venez dans l'église. Tout est possible au nom de Jésus-Christ. Nous sommes là tous les dimanches de 11h à 14h. Nous sommes dans la zone industrielle, la Croix-Blanche, à Sainte-Geneviève-des-Bois, 91 700. C'est un banlieue de l'Essonne, aux 5 rues Lucien Sam-P, église évangélique. Tout est possible. Mon numéro de téléphone, c'est 06 11
75 79 40. C'était votre simple serviteur, l'apôtre Colin. Si vous pouvez incliner seulement quelques minutes votre tête et j'aimerais prier que Dieu fasse le miracle pour toi. Prions. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous venons écouter ta parole. Ta parole me dit, tu envoyas ta parole et ta parole guérit. Éternel, étends ta main dans la vie d'une personne qui est malade. Étends ta main dans la vie d'une personne qui souffre, qui est découragée, qui a perdu la foi. Je prie, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette année 2017, dans leur vie, que tu leur accordes ta grâce, tes faveurs, et que le miracle s'opère dans leur vie. Guéris-les et fais le miracle. Nous scellons cette prière par la puissance du sang de l'agneau et que le nom de Jésus-Christ fasse un grand miracle. Qu'il ait la joie et ceux qui ne dorment pas, qu'ils puissent dormir. Ceux qui ne croient pas en toi et qui croient que Dieu existe et il fait le miracle. Ceux qui n'ont pas la paix, qu'ils reçoivent la paix. Ceux qui ont dit que non, j'ai arrêté de prier, Dieu ne répond pas. Éternel, visite-les dans leur maison. Ceux qui ont l'envie d'aller chez les magiciens, chez les marabouts, chez n'importe qui, Éternel, tu es le Dieu qui s'est révélé. Manifeste-toi, visite-les en ce moment. Qu'ils soient bénis, qu'ils voient la joie du ciel dans leur maison, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'ensemble nous te disons Amen. Laisse que mon Dieu puisse vous bénir. C'était votre humble et serviteur, apôtre Kola Richard. L'évangéliste Prince Kouka Malosa et Pactol TV vous permettent de débattre sur beaucoup de sujets auxquels vous voudriez apporter des éclaircissements. Femmes et hommes de Dieu, venez nombreux sur le plateau de Pactol TV débattre sur les sujets bibliques et de société. Mais surtout, sur certaines doctrines conformes et non conformes à la parole divine. Un plateau constitué des servantes et des serviteurs de Dieu qui ne seront pas d'accord sur certains sujets apportera la révélation divine. Ce moment de débat nous apportera des éclaircissements car il est écrit dans Proverbe 29, 18 « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple se laisse aller. » Heureux s'il observe la loi. La révélation divine, c'est sur le plateau de Pactol TV. Votre chaîne sur les bouquets Orao Télécom est sur www.pactoltv.com où vous pourriez aussi suivre la chaîne en direct. La révélation divine avec l'évangéliste Prince Kouka Malosa. Et c'est sur Pactol TV. L'évangéliste Brice Ndongala vous donne rendez-vous avec les spécialistes des cas impossibles. Ce sont des temps de prière, des moments de partage de la parole de Dieu, des moments encore de témoignage et un temps de déclaration prophétique et de prière pour tous les cas qui sont impossibles. Parce que je crois au miracle, je crois au surnaturel, je crois en Jésus-Christ qui est capable de faire de grandes choses. Et si vous avez un témoignage, Jésus-Christ a fait un miracle dans votre vie. Vous avez été délivré, guéri, restauré. Dieu a fait quelque chose de grand. Et vous voulez que le monde puisse savoir que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. À travers votre témoignage, n'hésitez pas à contacter sur le numéro qui s'affiche au bas de votre écran et je vous recevrai avec grand plaisir, afin de recueillir vos témoignages et de pouvoir échanger sur ce que Dieu a fait dans votre vie. Et tout ceci, c'est sur Pactol TV. Les spécialistes des cas impossibles pour vos témoignages, et c'est sur Pactol TV. Suivez notre chaîne télé en direct sur les bouquets Orao Télécom et sur notre site www.pactoltv.com. Pactol TV, votre complice spirituel chrétien. Que Dieu vous bénisse et restez branchés. À très bientôt. Shalom.
Pactole TV, une chaîne de télévision dédiée aux servantes et aux serviteurs de Dieu, aux artistes chrétiens et aux frères et sœurs en Christ. Un vrai plateau de télévision doté d'un fond vert pour vos prédications, vos messages, la promotion de vos œuvres et l'annonce de vos séminaires, vos conventions, vos retraites ou vos veillées de prière. Pensez à votre visibilité, mais faites-la avec Pactole TV, avec son équipe qui vous fera un travail de qualité. Chez Pactole TV, il n'y a pas de prix. Pas de grille tarifaire pour prêcher la bonne parole, seule votre offrande volontaire de votre convenance bénira notre équipe de réalisation. Grâce à son site internet www.pactoltv.com et bientôt sur Orao TV, vous vous faites connaître, vos prédications sont suivies dans le monde entier, vos messages sont diffusés en temps réel, votre album est connu et vendu partout dans le monde, votre promotion est assurée. Pactole TV, votre partenaire fiable pour vos évangélisations, la promotion de la musique gospel, les informations chrétiennes et la promotion d'artistes chrétiens. Avoir Dieu et Jésus dans sa vie est un vrai pactole. Suivre Pactole TV, c'est acquérir la richesse de la connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, femmes et hommes de Dieu, frères et sœurs en Christ, artistes chrétiens, venez chez nous comme si vous étiez chez vous. Chez nous, il n'y a pas de prix. Pour vos travaux personnels, des clips ou émissions, vous pouvez aussi louer notre studio. Les conditions sont affichées sur notre site www.pactolestudio.com. Pensez à votre visibilité. Pensez à www.pactoltv.com, votre partenaire spirituel de confiance. Faites connaître votre église ou votre ministère grâce à Pactole TV. Nous pouvons réaliser vos clips, vos spots publicitaires et bandes annonces, vos affiches et flyers, pochettes de CD et DVD, couvrir le filmage de vos événements, filmer vos prédications à l'église pour la diffusion. Chez Pactole TV, il n'y a pas de prix, pas de grille tarifaire pour prêcher la bonne parole, seule votre offrande volontaire de votre convenance bénira notre équipe de réalisation. Tout pour la gloire de Dieu. Suivez Pactole TV sur Orao Télécom. Pactole TV, votre chaîne chrétienne d'évangélisation, musique gospel, information chrétienne et promotion d'artistes chrétiens du monde entier. Avoir Dieu et Jésus dans sa vie est un vrai pactole. Suivre Pactole TV, c'est acquérir la richesse de la connaissance. Pactole TV sur Orao Télécom. Abonnez-vous sur oraotelecom.com pour obtenir votre décodeur. Ceci vous permettra de suivre Pactole TV et tant d'autres chaînes africaines et européennes. Venez évangéliser, venez faire votre promotion. Chez nous, il n'y a pas de prix. Seule votre offrande suffit. Pactole TV, le professionnalisme, la courtoisie, l'amour du prochain sur Orao Télécom et bientôt sur Orange, Free, SFR, Bouygues et CanalSat. Les tout pour la gloire de notre Dieu. Pactole TV sur Orao Télécom.